Victor Hugo. J'ai lu les livres de Molière, Montesquieu, Voltaire qui disait que bientôt la Bible va disparaître. Tous ces grands, La Bruyère, les grands de la littérature française, ne m'ont donné aucune promesse pour me sauver. J'ai lu des grands philosophes comme Karl Marx, Platon, Aristote, Jean-Paul Sartre, d'ailleurs pour lui, quand l'existence ça ne va pas, tu as un seul choix pour déterminer ton existence finalement, c'est le suicide. Aucune promesse, aucune espérance. Mais quand je commençais à méditer la parole de Dieu, j'ai trouvé des promesses pour moi, les rémas de Dieu. Amen. Oh, j'ai trouvé des promesses. Et j'ai constaté, j'ai réalisé que Dieu m'aime. Savez-vous que Dieu vous aime? Il est amour. Bien-aimé, quand Dieu donne une promesse, il ne la change pas. Nombre 23, 9. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils, un fils d'homme pour se repentir, pour changer. Ce qu'il dit, il le fera. Et ce qu'il déclare, il l'exécute. Dieu est comme ça. Il y a des promesses pour vous. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez réaliser, identifier au moins une promesse pour vous cette année dans votre vie. Vous allez voir que cette promesse est exactement pour vous. C'est vraiment la parole de Dieu pour vous. Elle va se réaliser. Savez-vous, quand le prophète Jérémie a reçu sa vocation, il a eu des visions au chapitre 1. Et une des visions qu'il a eues signifiait: Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Si tu dis une parole, il va surveiller sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Dans les textes que nous avons lus ce matin pour entendre les témoignages de notre bien-aimé, dans Isaïe 55, je trouve encore là une parole merveilleuse sur les promesses de Dieu. Au verset 10, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, verset 11, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole que vous allez entendre aujourd'hui va s'accomplir. Amen. Parce qu'elle n'est pas ma parole. C'est la parole de celui qui ne se trompe pas et qui ne trompe pas. C'est la parole de celui qui a tous les moyens pour accomplir ce qu'il dit. Amen. C'est la parole du Créateur de tout l'univers. Et si elle tarde, faites comme Habacuc dans Habacuc 2. Attendez. Elle va s'accomplir. Amen. Si elle tarde, attendez-la. Bien-aimés, toutes les promesses de Dieu pour vous, et dont la promesse du Saint-Esprit, je dis, toutes ces promesses sont accomplies en Christ, dont la promesse du Saint-Esprit. Et l'Esprit vient en vous pour accélérer l'accomplissement des promesses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'accélérateur de l'accomplissement des promesses. Et j'aimerais vous envoyer au texte de 2 Corinthiens 1:20. Qui dit, car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui de Dieu. C'est pourquoi encore nous disons en son nom, Amen. C'est à vous que chaque fois vous dites Amen, vous dites, ainsi soit-il. Tout est accompli. Il est le tout est accompli de Dieu. Amen. Quand vous dites Amen, sachez-le que ce que vous avez prié va s'accomplir. La promesse de la venue du Messie s'est accomplie. Et la promesse de la venue du Saint-Esprit est accomplie. Maintenant, le Saint-Esprit est ici. Il n'est plus là. Non, il a été donné depuis plus de 2000 ans. Nous n'avons qu'à le boire. La source est là. Partout où il y a l'Église du Seigneur, où il y a Jésus-Christ, la source est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Souvent, on pense qu'il descend comme ça maintenant. Non, il jaillit de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit. La promesse a été accomplie.
Quand vous allez dans Jean 7, 37, 39, il dit que celui qui croit en moi, la condition est de croire en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37, 39. Et ils ont bien précisé qu'il a dit cela de l'Esprit Saint qui allait couler dans le cœur, du cœur de tous ceux qui croiront en lui. Dans Jean 14, 15, 18, il dit qu'il va prier le Père pour tout ce qu'il aime, afin qu'il puisse leur donner le Consolateur, le Saint-Esprit. Dans Jean 15, 26, 27, il dit à ses disciples, « Quand il sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, soulignez ça, c'est l'Esprit de vérité qui nous arrive, ce n'est pas l'Esprit de mensonge. » Si quelqu'un vient vous dire, « Hey, est-ce sûr que vous avez reçu l'Esprit Saint ?» Dites, « Oui, parce que celui qui l'a promis me donne le vrai Esprit, qui est l'Esprit de vérité, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de douceur, l'Esprit de sagesse et d'intelligence et de victoire. » Amen. Savez-vous pourquoi vous avez la victoire dans le Seigneur ? Parce que vous avez reçu l'Esprit de victoire. Alléluia. C'est l'Esprit de guérison, l'Esprit de délivrance. Alléluia, voici Dieu et ma délivrance. Jésus délivrait les gens par le doigt de l'Esprit. Et nous aussi, nous délivrons les gens par le doigt de l'Esprit. Il a promis l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il parlait comme ça à ses disciples. Il rendra témoignage. Et le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à rendre témoignage de lui. Dans Jean 16, 7 à 11, Jésus assure ses disciples qu'il est avantageux qu'ils s'en aillent physiquement pour qu'ils reçoivent en eux le Saint-Esprit qui va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Qui va leur enseigner les choses à venir, qui va leur rappeler les choses qu'ils avaient oubliées, mais que Jésus leur avait enseignées, qui va les conduire de lumière en lumière et de victoire en victoire. Oh, quelle promesse! Quelle grande promesse! Savez-vous que quand Jésus était mort, les souverains sacrificateurs, les prêtres étaient en fête? Ils ne connaissaient pas tous les films. Savez-vous que votre vie est comme un film? Dans un film, il y a beaucoup de séquences. Savez-vous ça? Il y a beaucoup de séquences. Il faut réaliser ça dans la vie. Et il faut anticiper toujours la fin. Quelle est notre fin? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La fin sera toujours la victoire. Nous sommes comme les vrais acteurs de film avec Jésus-Christ. Parce que Dieu a ordonné que nous soyons puissants. Même si apparemment nous allons avoir quelques échecs, à la fin nous aurons la victoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez le tableau de la vie de Jésus avec les disciples. Les gens étaient guéris, puis là, on l'insultait. Puis finalement, c'était la passion, puis la croix. Puis beaucoup de pharisiens, de sadducéens ont voulu que le film s'arrête à la croix. C'est pourquoi partout, que ce soit dans les Corinthes, tout ça, on n'accepte pas qu'il est mort et ressuscité. Parce que cette fin de film est dangereuse pour les autres. Mais nous savons que le film ne s'arrête pas à la croix, le film ne s'arrête pas au tombeau. Il faut anticiper la fin, même comme serviteur et servante de Dieu. Savez-vous, il y avait un pasteur, et c'est une histoire qu'un grand pasteur a raconté. Il y avait dans son église quelqu'un qui venait de gagner 10 millions dans l'auto. Je ne vous encourage pas d'aller jouer l'auto, mais il a gagné 10 millions. Et puis, on cherchait qui va lui dire ça. Parce que on dit, mais il était cardiaque. Si vous le dites, là, il va tomber mort. Et là, le pasteur l'a amené dans son bureau, a prié pour lui. Il a dit, si quelqu'un vous disait aujourd'hui que vous gagnez 10 millions, qu'est-ce que vous ferez avec? Et le pasteur n'anticipait pas la réponse qu'il a donnée. Savez-vous quelle réponse il a donnée? Je donnerai 5 millions à l'église, à notre église ici. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le pasteur est tombé mort.
Et si vous ne savez pas anticiper le dernier tableau, vous risquez de mourir avant de voir la gloire de Dieu. Il n'avait pas anticipé cela. Que le type avait déjà dans son testament, même mis dans son testament, qu'une partie même de ses richesses resterait à l'église. Il ne savait pas. Eh bien, il faut anticiper en Christ la gloire de Dieu. Amen. Anticiper la gloire de Dieu en toutes choses pour ne pas être surpris par les événements. Même un événement de joie peut devenir un événement triste si vous n'avez pas anticipé la gloire de Dieu. Bien-aimé, la promesse est pour vous. Et Dieu a fait beaucoup d'autres promesses. Avec le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'autres promesses. Vous allez apprendre cette semaine à aller chercher les promesses de Dieu pour vous, pour votre vie, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre église, pour votre ville. Il y a des promesses. Cette semaine, je méditais sur les promesses de Dieu pour moi-même. Ouh, ça me faisait du bien qu'il y ait des promesses. Passez du temps dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de promesses. Une grande promesse que vous ne devez pas oublier, en Abraham, toutes les familles de la terre ont été bénies. Savez-vous ça? En Abraham, avant que Jésus ne vienne, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Abraham. C'est pourquoi Jésus est venu nous ouvrir les yeux et nous donner la capacité de prendre ces bénédictions. Et aujourd'hui, une des grandes promesses qu'il a faites, c'est que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Or, vous êtes une chair, vos enfants sont une chair, vos petits-enfants sont une chair. Et quand je pense à tous mes petits-enfants, je dis, Dieu a promis que dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Est-ce que vous priez comme ça pour votre famille? Seigneur, c'est une chair. Vous avez promis que dans les derniers jours, vous allez répandre. Savez-vous pourquoi il répand l'esprit sur toute chair? Pour changer la chair et faire de notre chair, qui est des temples de Dieu, temple de Dieu auparavant, et qui devient le temple de Satan, des démons, faire de notre chair le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Amen. Pour nous restaurer. Oh, j'aime le prophète Joël quand il dit dans les derniers jours, mais pourquoi veut-il répandre l'Esprit Saint sur vous? Pour accomplir son plan. Acte 1:8. Mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous et en nous pour nous faire triper seulement, nous faire danser seulement. Non, il vient sur nous pour nous donner la puissance de témoigner de lui. Amen. La puissance de parler de lui, la puissance de guérir les malades, la puissance de chasser les démons, la puissance de marcher de victoire en victoire sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, le Saint-Esprit. Pour cela, nous devons être des chrétiens missionnaires et pas démissionnaires. Pour être loin du Saint-Esprit, nous devons avoir le focus sur le ministère et la mission de Jésus. Il nous appelle à missionner à partir de notre Jérusalem qui est Ottawa. Jusque, ou bien pour vous qui êtes à Londres, Londres, pour vous qui êtes à Manchester, Manchester, pour vous qui êtes à Kinshasa, Kinshasa, pour vous qui êtes à Port-au-Prince, Port-au-Prince, là où vous êtes, c'est votre Jérusalem. Et vous devez chercher d'être au moins rempli, baptisé du Saint-Esprit pour avoir le pouvoir, la puissance de témoigner avec des signes que le Seigneur va donner. Pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Amen. Bien-aimé, le plan du Seigneur reste le même. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et commençons par nos familles, parce qu'il est dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille, notre petite Jérusalem, notre maison. Seigneur, répands ton esprit sur toute chair qui m'appartient, Seigneur. Touche ma chair, Seigneur. Alléluia. Et la promesse que Dieu vous donne aujourd'hui, cette année, il veut toucher toute chair dans votre famille. Amen. Il veut toucher toute chair dans ma famille. Amen. La promesse, est-ce que vous prenez cette promesse au sérieux? Cette année, je vais toucher, dit le Seigneur,
toute chair, dans ta famille. Alléluia. Je vais répandre mon esprit, dit le Seigneur, dans ta famille cette année. Est-ce que vous saisissez ce que le Seigneur vous annonce, bien-aimé? Ces jours-là, ils étaient tous ensemble, 120, comme nous le lisons dans Acte 2. Ils étaient surpris comme vous et moi. Nous pouvons être surpris. Même ici, je suis surpris de voir son onction arriver sur moi, bien-aimé. Ils étaient surpris. Et quand vous vous approchez de Dieu, attendez-vous à être surpris. Amen. Ou surprise si vous êtes une femme. Dieu est un Dieu de surprises agréables. Amen. Savez-vous que Joseph était une surprise dans sa famille? Jacob pensait qu'il était le plus grand des grands, qu'il n'aurait plus de grand après lui. Vous savez ça? Il était le béni. Et quand son fils lui a dit, mais écoute là, il y avait le soleil, la lune et 12 étoiles, 11 étoiles là, se prosterna devant moi là. Il dit, quoi? Tu penses quoi toi, ce petit Jean, petit enfant là, ce petit garçon? Je t'aime bien, mais pas ça. Il était surpris. Puis on lui a dit, ton enfant a été dévoré par une bête sauvage. Il était désagréablement surpris. Mais l'Esprit de Dieu était en train de travailler. Parce que le songe que Joseph avait reçu, c'était comme le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Le baptême du Saint-Esprit vient avec la promesse chaque fois, avec la prophétie de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons désirer ce baptême qui vient avec la prophétie de Dieu qui s'accomplit. La prophétie de Dieu pour accomplir, révolutionner, changer notre vie. Amen. Elle nous fait quitter la routine, notre zone de confort, pour nous amener dans une nouvelle zone, la zone de la promesse de Dieu. Nous sommes les enfants de la promesse, bien-aimés. Savez-vous, même les gens qui sont venus ici au Canada, bien-aimés, ils étaient surpris. Ils ne pensaient pas que le Canada va être comme il est maintenant. Demandez-leur que les anciens là, allez demander quand vous serez là de l'autre côté, comment vous avez rencontré le Canada. Quand Jacob avait appris de ses enfants que Joseph est vivant en Égypte, regardez la parole de Dieu, il est devenu comme mort. J'étais surpris, agréablement surpris, mais comme mort, gelé pendant un temps. Puis pouf, le Saint-Esprit le réveilla. Et lorsqu'il se retrouva avec Joseph, c'était quelle bénédiction. C'était le dernier tableau de sa vie. La dernière séquence de son film familial, c'était la gloire. Il en est de même pour vous, bien-aimés. Quelles que soient les étapes par lesquelles vous passez, oh, j'aimerais vous dire, quelque chose de glorieux vous attend. C'était sur la terre qu'il a expérimenté cela. Il n'a pas expérimenté cela au ciel. Ici, je parle de vous sur la terre, bien-aimés. Il y a un tableau qui vous attend. Ne vous laissez pas angoisser par les diables. Parce que toutes les souffrances qui vous arrivent, bien-aimés, comme les apôtres, ils ont souffert, ils étaient découragés, ils étaient tout à fait abattus. Ils avaient tout laissé tomber, ils sont rentrés faire la pêche. Agréablement surpris par le ressuscité, amen. Quand le ressuscité est venu, agréablement, le plan de Dieu était en train de s'accomplir. Envahi par les doutes, agréablement surpris par la visite de Jésus. Pierre, désagréablement surpris de nier son Seigneur trois fois, agréablement surpris par Jésus qui lui dit, m'aimes-tu? Et il sent l'amour du Seigneur et il pleure d'amour et d'espérance et d'assurance. Les femmes qui sont allées voir un corps, un cadavre au tombeau, agréablement surpris par celui qui appelle Marie. Marie, Rabouni était vivant. Bien-aimé, vous avez affaire dans votre vie avec quelqu'un qui va changer votre vie. Amen. Et le changer dans le positif. Le changer agréablement. Le changer dans la gloire de Dieu. Oh, nous n'avons pas totalement compris les changements que Jésus est venu nous apporter. C'est pourquoi moi j'aimerais vous dire, tout à coup, vous allez voir dans votre vie, amen. Tout à coup, ils ont vu le Saint-Esprit venir. Tout à coup, des gens presque illettrés, des gens qui n'ont jamais fait les universités de leur temps, ont commencé à prêcher à des gens qui ont fait des universités
de la loi de Moïse. Des docteurs de la loi ont été convertis, touchés par eux. Et aujourd'hui, on fait des thèses de doctorat sur les gens qui n'ont pas étudié comme Pierre, comme Jacques et Jean. Des pêcheurs de Galilée sont devenus les inspirateurs de grands docteurs d'université. Ça, c'est la surprise de Dieu. Ça, c'est Dieu. Parce que quand il parle, les gens ont dit, mais ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas terminé comme nous. Comment se veut-il qu'ils disent les merveilles de Dieu dans une langue fignolée? Ils ont dit, le Saint-Esprit, c'est la promesse. La promesse pour vous. Amen. Dieu veut faire des surprises dans votre vie. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Le bruit qui arrête tous les faux bruits de Satan. Le bruit qui arrêta tous les mensonges de Satan. Quand ce bruit-là arrive du ciel, Satan détale. Amen. Tout à coup, vous avez besoin de ce tout à coup dans votre vie. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent qui balaye tous les vents d'adversité. Le vent qui balaye tous les vents de maladie. Le vent qui balaye tous les vents d'échec. Le vent qui balaye tous les vents d'anxiété était là. Et il est dit qu'il remplit la maison où étaient les 120. Voudriez-vous que votre maison soit remplie de ces vents, bien-aimés? Moi, je le veux. Est-ce que vous le voulez? Oh, si vous le voulez, applaudissez le Seigneur. Applaudissez-les avec joie. Accueillez-les dans votre maison, bien-aimés. Toute la maison était remplie de l'esprit. C'était une maison privée. Probablement la maison de la sœur de Barabbas. La mère de Jean-Marc. Toute ta maison remplie. Ça, c'est la prophétie du Seigneur pour vous. Je veux remplir ta maison du vent de mon esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. L'Esprit de Dieu vient remplir la maison. Le plan de Dieu, c'était en remplissant cette maison, en remplissant les gens qui étaient dans cette maison, en leur donnant des langues de feu, ils vont aller brûler toute la paille de l'ennemi à partir de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Le plan continue. Le même plan quand il est venu me saisir le 11 avril 78 dans le campus universitaire de Lubumbashi au Katanga, dans l'Université nationale du Congo. Il a saisi plusieurs. Eh bien, il nous a saisis pour qu'à notre tour, nous puissions apporter ce feu partout où nous irons dans le monde. Amen. Et Dieu, c'est lui-même. Il ne nous a pas retenus dans notre pays. Il nous a fait voyager dans le monde. Et partout où nous allons, nous apportons le feu du Saint-Esprit. Le plan est le même. Et ce plan vient avec la puissance. Dites à votre ami, la puissance. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de puissance. La puissance qui dépasse toutes les puissances. Alléluia. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la puissance de puissance. Personne ne peut tenir devant vous. Amen. La puissance qui résiste, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Saint-Esprit. La puissance par laquelle Jésus chassait les maladies, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous faire l'exercice. Quand je dis la puissance, vous allez répondre le Saint-Esprit. Amen. La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est... La puissance qui a ressuscité Jésus, c'est... La puissance par laquelle Jésus guérissait les malades, c'est... La puissance de l'Église, c'est... La puissance du chrétien, c'est... Votre puissance, c'est... Le Saint-Esprit. Répétez-le à vous-même quand vous êtes... Ma puissance, ce n'est ni l'or ni l'argent. Ce n'est ni les honneurs de ce monde. Ma puissance, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire une chose. Quand ils étaient revêtus du Saint-Esprit, tout le monde les recherchait. Prochainement, on va présenter avec les enfants la puissance du nom de Jésus. Comment ce nom de Jésus guérit les boiteux, ressuscite les morts, chasse les démons, restaure les fous. Parce que ce nom vient avec la puissance de puissance qui est le Saint-Esprit. Dans Zacharie 4, 6, alors que les serviteurs de Dieu cherchaient comment vaincre ses ennemis, le Seigneur lui a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon
Amen. Puis j'aimerais que vous puissiez vous exercer à cela. Chaque fois que vous faites face à l'adversité, ce n'est ni par vos forces, ni par votre puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime toujours la traduction anglaise de ce verset-là, de Actes 1:8. But you will receive power. Parce que dans notre Bible, si vous recevez une puissance, non, vous allez recevoir la puissance. You will receive power when the Holy Ghost, the Holy Spirit has come upon you. Power. La puissance. La puissance qui délivre. La puissance qui sauve. La puissance qui élève. La puissance qui amène la gloire de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, aucun être humain ne peut être transformé, bien-aimé. Je ne peux pas vous transformer, mais le Saint-Esprit peut vous transformer. Amen. Bien-aimé, si le Saint-Esprit entre dans votre maison, vous allez rire du diable. Parce que vous allez voir la gloire de Dieu. C'est bien tout ce que nous faisons. Nous voulons avancer nos enfants dans l'école, qu'ils soient intelligents. Mais est-ce que nous voulons aussi qu'ils avancent dans la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous prions pour que nos enfants soient remplis du Saint-Esprit? Demandez-vous, posez-vous cette question. Combien de fois vous avez demandé à Dieu de remplir votre enfant du Saint-Esprit? Alors que vous préparez le trésor, dans le testament, vous mettez vos enfants. Mais est-ce que vous avez dans un testament dit, Seigneur, j'aimerais que mes enfants soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez l'inscrire dans votre testament spirituel. La puissance du Saint-Esprit donnant aux 120 un pouvoir, une capacité qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils avaient la capacité de voir les choses cachées. Ils voyaient au travers de la carapace humaine. Ils avaient la capacité de détecter l'ennemi. Ils avaient la capacité de prophétiser. Ils avaient la capacité d'imposer les mains aux malades et les malades étaient guéris. Ils avaient la capacité de présenter le royaume de Dieu comme jamais auparavant. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit amène aussi, laissez-moi vous dire, beaucoup d'argent dans l'église de Jérusalem. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit enlève aussi la pauvreté. On le voit. Bien, nous ne visons pas ça, mais ça vient avec. C'est un combo, la puissance du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas la séparer de votre bénédiction. La santé est venue avec. La délivrance est venue avec. La bénédiction en abondance est arrivée. Le Saint-Esprit, ce n'est pas n'importe quelle puissance. Et ces jours-là, c'était la confirmation de la prophétie. Venez avec moi toujours dans Actes 2. Et Pierre a bien dit. Pierre a précisé cela. Il a dit ce qui suit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Cette prophétie est accomplie pour vous et moi depuis plus de 2000 ans. Sur le mont Sion, où se trouve encore le bâtiment dans lequel se trouvaient les 120. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, qu'est-ce qu'ils feront? Prophétiseront. Pourquoi nos fils et nos filles ne prophétisent pas? Parce que nous ne recevons pas la puissance du Saint-Esprit. Nous ne libérons pas la puissance du Saint-Esprit sur eux. Et Dieu m'a dit, libère ma puissance, Daniel, aujourd'hui. Dites à vos frères, je vais libérer ma puissance sur leurs enfants. Afin que vos fils et vos filles cette année puissent prophétiser à mon nom. Et c'est ce que je fais ce matin, mes bien-aimés. Et ce que je fais aussi pour vous qui nous écoutez au travers de l'Internet. Dieu veut libérer la puissance du Saint-Esprit sur vous. Vous la bloquez quand vous ne transmettez pas cette puissance aux enfants. Vous êtes comme un canal de transmission. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. C'est-à-dire les fils et les filles de Diafoula, Daniel, qui vont prophétiser. Amen. Ça veut dire cela. Vos fils et vos filles prophétisent. Comme les filles de Philippe, les quatre filles prophétisaient. Et Dieu m'a rappelé cela encore ce matin. Rappelle à mes enfants que j'aimerais que leurs fils et leurs filles prophétisent. Mais pour qu'ils prophétisent, laissez couler mon esprit dans vos maisons. Amen. Vos fils
vos vies prophétiseront. Pasteur, vous qui nous suivez, évêque, pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi vos fils et vos filles ne prophétisent pas? Parce que vous ne laissez pas couler le Saint-Esprit dans la maison. Laissez couler le Saint-Esprit dans vos maisons. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Et ça continue. Vos jeunes gens auront des visions. Pourquoi nos jeunes gens sont dans la confusion? Parce qu'ils n'ont pas la vision. Le contenu de la vision, c'est la confusion. Ils sont confus. Parce que le Saint-Esprit ne leur a pas été transmis. Nous devons apprendre à prier pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Alors nos jeunes gens auront des visions. La vision, ce n'est pas seulement la vision des anges et des archanges, des chérubins et des séraphins. Non, pas seulement ça. La vision peut être la vision de quelle faculté que Dieu veut qu'il fasse à l'université. Quelle profession que Dieu veut qu'il fasse. La vision. La même vision que Joseph a eue. Daniel a eu la vision de tous les états, toutes les nations qui vont être suscitées par Dieu dans le monde jusqu'à la fin de l'histoire. La vision, c'est quelque chose de concret qui traverse l'histoire, qui change l'histoire, qui marque l'histoire. Dieu peut te donner la vision du Canada. Il peut te donner la vision de l'Afrique aujourd'hui. Où va l'Afrique aujourd'hui? Et où elle va se terminer? Dieu peut donner aux jeunes gens la vision. Savez-vous pourquoi il leur donne la vision? Parce que la destinée du monde repose sur les jeunes gens. Et s'ils sont sans vision, ils vont tourner en rond. Combien de jeunes gens tournent en rond, même de jeunes chrétiens? Alors que la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vous connaissez toujours dans ce verset, et vos vieillards auront des songes. Oh merci, parce que plus on avance vers le vieillissement, plus on doit se préparer pour avoir de bons songes. Amen. Alors quand je regarde les maisons de vieillards ici, ils jouent aux cartes, aux billes et tout ça, il n'y a pas de Bible dans ces maisons. Ça ne peut pas conduire comme ça. Nous devons prier pour que ça change même au Canada. Nous allons finir par être vieux, peut-être que nous serons dans ces maisons. Mais quand vous y êtes, il n'y a pas de parole de Dieu, ça devient comme un cercueil ambulant. On a besoin de prier pour que le vieillard d'aujourd'hui ait des songes de Jésus-Christ, des songes du Saint-Esprit. Parce que quand un vieillard a des songes, j'ai vu mon père quand il était avancé en âge, à plus de 90 ans, avec des songes, oh, c'était prophétique, c'était bénissant. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et ça continue. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous prions, depuis longtemps, nous voulons un nouveau diacre, des nouveaux diacres, des diaconesses. Mais comment les aurons-nous s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit? Nous devons prier pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, bien-aimés. Parce qu'un diacre sans le Saint-Esprit, c'est une vide terrible. Mais un diacre rempli du Saint-Esprit sera comme Philippe, il sera comme Étienne. Il va témoigner avec puissance. Il sera comme Ananias. Il dit, mes serviteurs et mes servantes, que je diakonos. Quand je dis diakonoi, les serviteurs, c'est diakonos. Les serviteurs de Dieu. Dieu veut sur ses serviteurs envoyer son Esprit Saint, mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Autrement dit, tout chrétien étant serviteur de Dieu, est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu? Est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu? Étant donné que tout chrétien est serviteur de Dieu, Dieu veut répandre sur vous, en tant que chrétien, son esprit, afin que vous puissiez prophétiser en son nom. Amen. Oh, bien-aimé, puis laissez-moi terminer par cette prophétie. Si vous décidez aujourd'hui de servir le Seigneur, eh bien, le Seigneur va répandre sur vous son Esprit Saint afin que vous puissiez avoir la capacité de prophétiser et de marcher de victoire en victoire par son Esprit Saint. Amen. La promesse est pour vous. Levez-vous pour prier le Seigneur. Alléluia.